Allez, salut à tous ces amis, c'est Lantoukle, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Elle est Noire Complete Edition. Oh yeah, nous nous en étions arrêtés juste au début mais d'une enquête finalement. On avait interrogé cette belle demoiselle qui se prénomme tout simplement Clovis Gaeta. Donc c'était en face d'une boutique de chaussures. Cet homme avait été abattu, on ne sait pas comment. Et tiens d'ailleurs, je vois quelque chose briller sur le sol, c'est sûrement un indice très intéressant, on ira voir ça juste après. Pour l'instant je vous relate les faits. Donc ce monsieur a été assassiné de beaucoup de balles dans le dos, il me semble. Il est tombé à terre, bon il a succombé à ses blessures bien sûr. On l'avait fouillé, on avait trouvé un acte de vente, je crois que c'était ça, un acte de vente, voilà. Et on avait donc interrogé Clovis et qui nous avait révélé tout un tas de précieuses informations. Apparemment ce monsieur, donc Mr. Cage, était c'était le directeur de cette boutique de chaussures et il était antisémite et c'est un bijoutier. Donc il a assassiné un bijoutier du nom de Mr. Calou, je crois, quelque chose comme ça. Donc maintenant, une fois qu'on a fini de l'interroger, j'avais gagné de l'XP, j'avais passé un rang. Bon, bien sûr, merde, je me suis trompé, excusez-moi. C'était back pour avoir le petit carnet. Intuition, donc j'ai gagné un niveau normalement, mais je ne sais absolument pas, point d'intuition, j'en ai un. Mais je ne sais pas, non, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose. Non, bon, on verra ça une autre fois. Bon, pour l'instant, on va essayer de chercher les indices. On n'avait pas fouillé. Ah, bah tiens, ça vibre. On n'avait pas fouillé la boutique. Ok, alors de belles chaussures. C'est une preuve directe. Attendez, c'est ça qu'il a dit? C'est une preuve directe? J'ai pas vu le sous-titre. Non, d'accord, en gros, ça ne sert à rien. On va aller jeter un coup d'œil du côté de ce comptoir. Non, il n'y a rien. Ici, une porte. Private. Je pense que l'on pourrait demander d'y avoir accès, peut-être. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Un journal, non, un magazine, rien d'important. Ah, ici, ce beau livret est posé trop... tellement bien que ça en devient gênant. Avec un faisceau de lumière arrivant sur ce magnifique objet. Certains objets n'ont aucun lien avec votre enquête. Bah oui, je suppose, mais à mon avis, ce carnet. Comment je. Ouais. Bon. Oui, non, mais. D'accord. Mais je veux pas le poser, l'objet. Non mais je veux le voir, c'est un livret qui a l'air d'être très important. On dirait le livre de cours. Ah non, ça n'a rien à voir, d'accord. Moi, bon, il était posé trop... Enfin, c'était trop prévisible, quoi. Mais bon, apparemment, non, il ne sert à rien. On va faire un tour du côté de la caisse enregistreuse. Il y a forcément des documents importants ici, non? Non, apparemment pas. Peut-être dans la vitrine? Non. Bon, du coup, je pense qu'on va aller pouvoir ramasser ce petit objet qui brillait et qui était juste ici. Ah, vous voyez, ça vibre. Ah, non. Enfin, je pensais que c'était des bijoux, mais en fait, non. Des douilles. Calibre 32. Ah. D'accord. Donc, nos collègues sont en train de contenir... Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, mais c'est pas grave. D'accord, ok. Bon. Je pense qu'on a à peu près tout. Les douilles, non. Ah, peut-être... Oh, c'est bien fait, ça l'enjambe le corps. Peut-être la poubelle. Ah, voilà, c'était sûr. L'arme du crime. Ah, ah, je vais pouvoir voir la référence. Browning. Ah, il est étrange. Ah, c'est marrant. Il est un peu plus long que. We have the murder weapon and the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfields. That's a couple of blocks from here.
thinking what I'm thinking? Tate! Yeah, I'm thinking what you're thinking. You look like you were a big pain in the neck. Eh bien, je pense qu'il est temps de quitter cette cette bijouterie. Mais oui, c'est une bijouterie. Cette bijouterie, veuillez m'excuser. Nous n'avons plus rien à y faire. J'entre dans le véhicule et nous sommes partis. Direction bijouterie Hartfield. C'est parti. Ah, ça fait plaisir de conduire un petit peu. Bah tiens, on va faire un petit demi-tour. Quel plaisir de conduire cette petite Ford. Bon allez, on s'en fout du code de la route. Tant pis, de toute façon. Il faut qu'on soit rapidement sur les lieux puisqu'on tient effectivement le coupable de ce meurtre absolument atroce dans cette époque. Il était peut-être antisémite. Antisémite, je ne sais pas comment j'ai prononcé il y a 2 ans, mais bon. C'était pas très joli à entendre. Mais bref, on ne tue pas un homme. Comme ça, quand même. Hein. Il doit y avoir d'autres raisons, ce n'est pas normal. Alors attendez, du coup, on va aller se garer ici. Tac. Hop, petit clignotant. Ah mais du coup, tu peux pas sortir, si? Ah si, à la place. Ah, j'aurais dû me foutre juste à côté de la benne à ordures, tu vois. J'aurais dû avancer un petit peu plus, il aurait pas pu sortir. Bon, alors, tac. Bonjour, enchanté. Oh, c'est vraiment bien fait, hein. Ils ont vraiment animé tout, mais vraiment tous les visages. Hein. Ils ont pris des figurants, ils les ont tous. Ils ont tous fait du motion tracking. Hein. C'est vraiment. Moi je trouve ça extraordinaire, sincèrement. Donc, comment on fait pour rentrer? Non, ce n'est pas ici. D'accord, c'est sur l'autre rue. Et du coup, j'ai garé la voiture au mauvais endroit. Attends, viens avec moi, mon collègue. Attends, par contre, quand il court, on dirait qu'il a un. Oh, excusez-moi. Oh, pardon. Je suis désolé. Je m'en fous, je suis un flic. Tire à ton chien. En plus, l'autre, il a rien à foutre. Allez, viens, Patrick. Je t'emmène faire un tour. Allez, c'est parti. Wow. Oh. Ouh. Ils ont des réflexes, les types, dans cette ville. Ah, tac. Donc vous avez bien sûr, enfin voté, je sais pas si on peut dire voté, mais en tout cas vous avez été très nombreux à choisir le jeu en couleur dans les commentaires. Du coup je vais le laisser en couleur finalement. Peut-être qu'un jour on essaiera en noir et blanc, voir ce que ça donne. Allez hop, on sort, nous sommes arrivés, on va essayer de traverser sans se faire écraser. Si ce taxi veut bien le laisser passer, non même pas, rien à foutre le taxi. Je suis un flic, je te rappelle Michel. Je peux sortir là d'abord. 13h50, bijouterie Hartfield. Officer. Bonjour. Can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. J'aime ta cravate. Ouh, bonjour mademoiselle. Vous cherchez son un arbitre? Bitch. Go, Cole, go. Mais cours. C'était lui. C'était lui, il court. Ah, merci de m'indiquer le chemin, mon cher monsieur. Il est parti où? Ici. Il vient de tourner. Kalu, get back here. Ça ne sert à rien de courir, très cher. Tu vas mourir. Je vais t'interpeller. Putain, mais on passe dans un restaurant. C'est quoi ce bordel? Il y a des palmiers maintenant. Oh, le bus. Laisse-moi passer. Oh là là. Digne d'un film, d'une série. Tu ne cours pas assez vite. Canaille. Je te rattrape. Late, je te rattrape. Oh, le sprint. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu. Fallait... appuyez très rapidement sur la touche A. Ouf. Ouh, le taquet dans la nuque, il a pas apprécié. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Je suis désolé, très cher. Il ira 6 journées en prison. C'était quoi ce sourire ignoble là? Arrange tes dents. The case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative.
How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Arrête de m'appeler Young Phelps. Je suis Old Phelps. Voyons. Il a droit à une cigarette et un café. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Edgar Kalu. Yeux marrons, âge 39 ans, cheveux bruns, sexe masculin, description propriétaire de la bijouterie, suspect du meurtre, dispute avec Cage. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Non, 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 non. Je ne te crois pas d'une seconde, tu regardes ailleurs. Tu regardes ailleurs. À vous, à vous. Utilisez l'intuition. Bon sang. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Vous pouvez rien prouver. Fusillade, reçue pour une livraison différée, suspect identifié, angle antisémite, douille calibre 32. Je pense que angle antisémite. La vendeuse du magasin déclare que Kalu a tiré. Hop, on va prendre ça. You know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Ha, tu as avoué. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Mensonge. Lying, Kalu. Tu sais très bien que c'est faux. You lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Reçu pour une livraison différée. Suspect identifié. I'm done with ah, je me suis trompé. Go flap your gum somewhere else. I want my lawyer. Ah, mince. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Mince. J'ai eu qu'une réponse de correct, you mais il avait l'air de mentir. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Oui, 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 d'accord. Et appelle-moi Old Phelps, s'il te plaît. Et je te ferai un café, je te jure. Bon. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. Et pourquoi tu répètes la même chose? Oh là là. You're going to have to bon. Pay for that. On s'est chié une fois, on le refera pas deux fois. Dispute avec Cage. You followed Everett Gage. Ah mais du coup ça reprend, mince, je me suis trompé. Donc ça veut dire que soit je me suis gouré de preuves. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Non, là c'est sûr, tu dis que le des conneries. Ah mais là déjà je sais que c'est un mensonge. You shot Gage and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Si. We know all about the argument.
Je pense qu'on va se servir de l'intuition pour le prochain. D'accord, c'est ça que ça sert, les points d'intuition. On peut s'en servir lors des interrogatoires pour éventuellement faire des découvertes capitales. Directrice, elle va t'énerve pas. Attends, You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. Mr. Kalu. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Mr. Kalu. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? Mr. Kalu. What are you talking about? You told Mr. Kalu. Alors LB, c'est quoi LB? LB. LT, LB, ça doit être ça, LB. Alors. Retirer un choix pour réduire le choix de réponse possible. Demander à la communauté. On dirait du qui veut gagner des millions. Je pense que je vais prendre le 50-50. Puisque l'appel à un ami n'existe pas. Ah, attendez, on a des informations intéressantes à gauche. Utilisation, 99,5% des joueurs ont choisi la bonne réponse après avoir utilisé un point d'intuition pour cette question. Ah, ça craint un petit peu, mais bon. Allez, j'utilise demander à la communauté. Non, on va retirer un choix. Non, demande à la communauté. Je sais pas ce que ça va faire, demande à la communauté. Demande à la communauté, à mon avis, ça se connecte avec le social club. Mais on va retirer un choix. Point d'intuition reste zéro. Ah, d'accord. Donc c'est soit vérité, soit doute. Bah, c'est forcément doute. De toute façon, c'est ce que j'aurais mis. Leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump gauge! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Masterfully done, Officer Phelps. Ah, merci. Appelle-moi officier. Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs heroes, a shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Deux costumes. Comment ça, y a un bal? C'est le bal de fin d'année? Un succès déverrouillé. Police Academy. Oh, Los Angeles Police Department. Rapport d'aptitude de l'agent. Oh, c'est génial. Je suis promu inspecteur. Oh, c'est super! L'agent a démontré une conduite d'enquête efficace, la maîtrise de son arme de service, une parfaite condition physique ainsi que son aptitude à mener un interrogatoire. Verdict, Los Angeles Police Department reçu. Je suis inspecteur dorénavant. Bitches, vous me devez serment d'allégeance. Non, je déconne. The driver's seat. Terminer toutes les affaires en patrouille. Je sais pas ce que c'était. Oh, j'ai la classe. Alors, Ah non, je suis pas en service là, j'ai l'impression. Si, peut-être. Oh, il y a forcément un mec un peu gros dans la police, c'est ça qui est drôle. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Berkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earle, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. Toi, je t'aime bien, toi. What is that supposed to mean?
Stick with me, kid. You'll find out. Ah, je t'aime bien, toi. T'as une bonne tête. And now some housekeeping. Warm Central Division, welcome for Detective Cole Phelps. Merci, merci, merci. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, that's sir. That's an order, Phelps. D'accord, je me lève. Shh, shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Ah, it's Steph. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with one case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousing vagrants and running license plates. Now get down to the P.E. Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Allez. J'aime quand il y a du crime. Je me lève, j'avance tout seul, ce n'est même pas moi qui me déplace. Oh, mon costume, elle a vraiment la classe. Attendez, juste... Non, je peux pas te parler. Ok, ben je sors d'ici. Ouh, bonjour, madame la secrétaire. They really pushed you through quick, didn't they? Oh. 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Ah, enfin un jeu où ils descendent chaque marche à peu près potablement. Bon, le pantalon rentre dans les marches, c'est pas très grave. On a rien vu. Excusez-moi, monsieur. Pardon. It's him. Ooh. You know this place? Ooh, pardon, excusez-moi. Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. Wow, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à lire, mais bon, en plus j'ai pas l'air de connaître la marque. En tout cas, elle est magnifique, très belle voiture. Je suppose que ça va nous la débloquer. Ah, véhicule débloqué. Ah, c'est une Buick, super. Attendez, oulala, oulala, il y a du trafic. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Allez, on est parti, les amis. Tac. Donc, je pense que paraît. Bah oh mon dieu. Il m'a fait flipper, lui. Allez, je vais prendre l'appel. Ah, c'est génial. Je fonce. You have to work together, don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college in Stanford. Did 2 years ROTC before Reno CS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. Oops. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zooter riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. All units of 459 just occurred at 6. Un cambriolage. C'est bon, on arrive. Ah, on va enfin se marrer. Go ahead, KGPL. C'est parti, les amis. Tireur masqué. Masque gamma. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Oh, c'est quoi ça? Il a un revolver. Ah. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Il est armé. Je vais essayer de le désarmer, c'est parti. Give it up now. Make it easy on yourself. Il est où? Il est parti où? Ah, c'est parti. Encore une poursuite. Il s'enfuit, le bougre. Allez, on court. Bonjour, monsieur. Décidément, ils aiment cavaler dans ce pays. Ah.
Il est où? Ah mais c'est vrai. Non, ça marche pas. Viens là. Oh j'adore ces scènes. Oh la vache. En plus c'est scripté, il y a des accidents. À terre. Oh yeah. What happened? Où? Oh non. Je l'ai tiré dans la jambe, je vous jure. Vous n'avez pas le droit? Délai résolu. Ah bah si. D'accord, un flic à chaque coin de rue. Bah ça m'a valu un succès super. En plus ma bagnole est garée juste ici, c'est parfait. Yeah, je suis passé niveau supérieur. Qu'est-ce que... oui. Tu me laisses ma voiture s'il te plaît. Allez. Non mais ça va pas ou quoi, le mec il s'est mis au volant. Allez, viens là. Oh bah dis donc. Je suis désolé, je voulais pas le tuer, mais j'étais obligé, je jure. Bon bah c'est parti, allez, on y va un peu plus sereinement. Du coup j'ai absolument rien écouté au dialogue de tout à l'heure là. Il parlait des collines d'Okinawa pendant la guerre apparemment. Bon, il a pas envie d'en parler, il a eu une distinction. Bon, il a sûrement massacré des japonais, bon. Les japonais. On ne reparlera pas de cet épisode tragique de l'histoire, mais bon. En tout cas, nous sommes bientôt arrivés sur les lieux de la prochaine affaire. Nous sommes arrivés. Ah. Dépôt de marchandises. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Merci, Trashair. J'apprécie le geste. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. Oh, une voiture ensanglantée. Ça n'augure rien de bon. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and... We'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Allez, nous sommes partis. Déjà, on va se rapprocher tout doucement de cette voiture. Donc apparemment... mec s'est fait sauter. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Déjà, cette poubelle m'intrigue. Ah, il y en a deux en plus, il n'y a rien dedans. Eh bien, écoutez, on va interroger ce très cher monsieur. How long are you gonna keep me here, sir? I better get back to work, sir. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'indices, mais Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Bah là, il dit absolument la vérité. Hein. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Okay. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Bah, vérité aussi, là. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. D'accord.
Merci, bravo. On va essayer d'aller repérer des indices. Ah, voyons voir. Ah, des lunettes. Attendez, je veux voir les lunettes. Oh, oh, ce sont des Ray-Ban, on dirait. Ah, ah, ah. Stenzel. Edin. Ah non, c'est des Stenzel, c'est pas des Ray-Ban. De toute façon, vous avez tous le look des Ray-Ban. Hein. Stenzel. Nous avons ensuite un portefeuille. Un porte-monnaie. Ah, une photo. Attendez. Permis de conduire. Adrian Black. Enfin, j'ai pas eu le temps de lire. Homme blanc, 32 ans maintenant. Ah. Marié. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Très bonne question. Voyons voir la photo. Oh, c'est triste. Happier times, I guess. Mon dieu, ils sont des cacs. Oh putain. Oh là 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 là. Mon dieu. Oh là là, la femme, mon dieu, elle fait j'ai envie de buter quelqu'un. Et l'autre derrière, elle est comme ça. Je suis constipé. Oh mon dieu, c'est quoi cette photo? Qu'est-ce donc? Bon. Ah vraiment, cette photo, c'est collector. Je vous invite à prendre des screens de la vidéo tellement c'est magique. Oh. Ah non, mais dites... Ah non, non, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un morceau de cerveau accroché. Ah mais non, mais il y a du sang, effectivement. Un tuyau. Qu'est-ce donc? Brand name might give us something to go on. Ouais, marque de tuyau, d'accord. Bon. Avez-vous vendu ce tuyau comme une arme? Répondez. Ah oui, non, mais là, il y a un mec qui s'est vraiment fait sauter dedans, mais au sens propre du terme. Victim looks to have lost a lot of blood. Pour ne pas dire tout son sang, oui, tu peux le dire, Jackie, oui, effectivement. Ah, je peux me déplacer, pardon, excusez-moi, j'avais pas... Ouais, bon, bah, écoutez, il y a du sang, hein. Je ne peux pas voir ailleurs. Eh bien, écoutez, je vais... Ah, ah, ah. Qu'est-ce donc? Ah, un paquet de cigarettes, ça, c'est très important. I don't think so. Je ne crois pas, non? Non? Attends, pourtant, le paquet de cigarettes... Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Inside of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Bah d'accord, vous avez même pas ouvert le coffre, vous êtes champion. Over here, Phelps. Trunk is unlocked. Better take a look at it. Heureux. Ok, bon, il y a deux éléments. Cette clé. Optimistic, Cole. T'es un peu optimiste, ouais, je suis d'accord. Nous avance absolument pas. Quel est ce papier? Riverside Slaughterhouse. Life Hog. Un cochon vivant. Ah merde, ils ont égorgé le porc dans la voiture. F. Morgan picked up a live pig yesterday. C'est pour ça qu'elle la paille. Abattoir Riverside. $3. Il aime le cochon. Pardon, c'était nul. C'était même pas drôle en plus. On va essayer de lui reparler. What now? Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Continue du portefeuille. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You're accusing me of something, mister. Ah, il a pris la thune, c'est sûr. Il a pris la thune, non? C'est quoi ce sourire? Attendez, là j'ai un énorme doute. Attendez, alors là je sais pas. Alors, mais Kéké, pourquoi tu me souris comme ça? Non, 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 non. Attendez, j'ai un doute là, j'ai un gros doute. Est-ce que je mets le doute? Ah, c'est doute. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look.
But there weren't no money in there. Not even change. Hey, hey, je vous avais dit qu'il y avait un doute. Bah quand vous doutez, c'est simple, hein, vous mettez doute. Alors, pour observer le suspect. Mais regarde ça, il est mignon, il sourit. Non mais là, il a l'air consterné, le pauvre. Bon, tuyau recouvert de sang. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Bon, là, il y a vérité, il y a pas de doute. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. D'accord. Bon, on va terminer cette affaire et puis on se laissera là-dessus parce que... Donc je pense que voilà, je ferai soit une ou deux affaires si elles ne sont pas trop longues. Histoire que ça fasse pas plus d'une heure, quoi. Maintenez un procédé d'un véhicule pour que votre coéquipier conduise. Ah, ce serait... Ah, ce serait intéressant. You know the way. You can drive. So, where you wanna go? Voilà. Conduis comme ça. On va voir comment tu conduis, puis en plus, ça me laissera le temps de lire les... Ah mais non, d'accord, il montre pas. Ok. Oh, c'est un peu dommage, ça. Ta-da. Balle de mort. Domicile des Blacks. Ça va, l'endroit tranquille. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Ah mais d'accord, il y a plusieurs succès en plus. Just a minute. Non mais là, ça fait 3 secondes, là je peux plus attendre. Hein. Bonjour. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. J'ai envie de tuer quelqu'un. Je me rappelle de la photo, là, ça m'a traumatisé. Je vous jure. Bel intérieur. Bien le bonjour, je vais m'asseoir. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Instaheat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. C'était la mode, les cheveux courts ou quoi? Attendez. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Attendez. Ah. Alienis Fontaine. Le docteur Fontaine vient en aide aux vétérans perturbés. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. Ça fait peur là. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Oh mon Dieu. Times that made you smile. C'est quoi ce taré?
Attendez, j'ai vu autre chose sur la table. Ah. Qu'est-ce donc? Kavanaugh's. So who brought this home? Attendez, il y avait pas des cigarettes? Ah non. Ah d'accord. Californie, d'accord. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Ah. Ah, génial, on peut téléphoner. Non, d'accord, ok. Il n'y a rien sur la commode, non, la console, rien, non. Dans la cuisine, il y a forcément quelque chose. Ah, bah tiens, encore les cigarettes. Étrange, c'est un signe. Ah. C'est déjà deux paquets d'helmets. Non, ça, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Ah, le frigo, non. Non plus, peut-être ici, l'aspirateur. Ah. Qu'est-ce donc? Ah, voilà, un stat-hit. Le chaud 24 heures sur 24. Attendez, il y avait peut-être quelque chose derrière. Voilà. Anti-rouille, ouais. D'accord. Un coupon publicitaire. Et à côté, je suppose que c'est la facture. Client style Adrian Black. $82. D'accord. C'est pas très cher, dis donc. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ouais, je suis d'accord. On va aller faire un tour dehors. Attends, d'abord, j'ai pas fini. Ah. Maybe. No. D'accord. C'était un simple vase. En effet. Ah. Ah, bah ça c'est aussi un simple. No good to me. Non, d'accord. Ah, tu pourrais le voler, hein. Non, je rigole, bien sûr. Ah, bah un téléphone, tiens. On ira juste après. Tout d'abord. Ah, on peut ouvrir les portes normalement. Et... on va fouiller la chambre. Ah. Un étui à lunettes. Ah. Ah, est-ce que c'est un. Stenzel. Stenzel. So the glasses are a match. Ah non. Oh, ce serait triste. Ça se trouve, c'est pour nous faire croire qu'il est pris en otage. C'est du sang de porc. Mais il a toujours le même sourire. Il fait peur. To my Adrian, love sick and lovely without you. Hurry back, my darling. Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. On trouve des choses intéressantes, dites-moi ici. Ah. Je sens bien le petit magazine porno, non? Non, même pas. Ah, et encore une fois ces allumettes. Encore une fois. Kavanaugh's bar. D'accord. Bon, je suppose qu'il n'y a plus rien à voir ici. Ah si, suis-je bête. Ligne de chemin de fer nord-ouest pacifique. De Los Angeles vers Seattle. Ah, 3 décembre 1946. Ah. Étrange. Il me semble avoir aperçu une porte ici. Non, on ne peut pas l'ouvrir, ça le donne exactement au même endroit. On va d'abord sortir. Ah, ouais. On va d'abord. Donc, avant de sortir, on va aller fouiller cette pièce. Notre photo. Ah, bah cette fois, on dirait qu'elle a envie de se tuer. Separate pictures. What gives here?
conflits conjugaux, peut-être. Non, il n'y a rien, je ne peux pas la... Non. Non. Saoulé. Rien. Il y a forcément quelque chose dans l'armoire. Non, il n'y a rien. C'est bizarre. Non. Non, ça c'est la chambre. Je me suis... Ouh, pardon, désolé, je sais pas ce que tu étais en train de faire, mais je ne veux pas le savoir. Ok. Ah, mais non, on s'en est déjà... Attendez, mais on le sait déjà ça, non? Parce que... Ça vibre encore, en fait, c'est pour ça. Non, en fait, je l'avais déjà. J'avais déjà, c'est normal. Oui, ça, voilà. On va aller examiner cette chaudière. Attendez. Il y a forcément des indices qui traînent quelque part. Non. Où est cette chaudière? Non. Ici, on ne peut pas. Un petit banc. Non. Ah. Non, on peut pas rentrer, un petit cabanon. Des chiottes de jardin. Où est cette chaudière? Ici, ça sent mauvais ici, la musique. Papier ici, si je m'abuse. Wow. That sure looks like a beauty. Mec, il rentre dans la maison pour ressortir. Elle est où cette chaudière de merde? Non, il y a un moment, faut arrêter là. Ah, râteau. Je la vois pas ta chaudière. Ah, si. C'est ça? Ah, le tuyau. No use leaving the thing half finished. Attendez, donc c'est un petit puzzle, rien de compliqué. Je suppose que. Non, ça, ça va là. Voilà. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué non plus. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Voilà, celui-ci va là. Et il manque, bien sûr. Voilà, celui qui nous manque, il avait exactement la même forme. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. On sait peut-être qu'il a été assassiné. Et pas seulement blé. Ah, qu'est-ce donc? Une fleur. Génial, d'accord. Super l'indice, tu t'en as un d'autre des comme ça, non? Non, 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 non. Ok, bon là on va pouvoir aller la questionner, ça fait combien de temps qu'on tourne? Oh, 48 minutes déjà, oh là là. Donc ici ça vit toujours, on a déjà vu. I'm all right now, detectives. Ok. On ira ensuite passer un coup de fil pour suivre le toit. In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Frank Morgan. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently,
He's been away in Seattle a lot on business. Donc pour l'instant, c'est bon. Elle dit la vérité. Donc elle a l'air contrariée. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. Pour l'instant, elle dit toute la vérité. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Ouais, elle dit la vérité. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Non. Non, 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 non. Là, c'est le doute. You and your husband are in separate bedrooms. Ah, non. What gives? Did you want him out of the way, ah, là, j'ai Margaret? Fait faux, malheureusement. No, I did not. My husband and I may have drifted apart. C'était un mensonge, mais j'ai préféré le doute. It wasn't my choice. Là, je me suis trompé. Bon. C'était un mensonge, malheureusement. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Ah. Attendez. On va retirer un choix. Ok, c'est mensonge. Yes, I am accusing you. Your husband was going to leave you. That's motive. Now your only alibi is an empty house. Get it off your chest. Tell me the truth. Whatever your theories are, you're going to have to prove that I was there and that I wanted to hurt him. Do you think you can do that, detective? Tuyau ensanglanté, reçu pour un cochon vivant, pochette d'allumettes du Cabana's Bar, et tu as lunettes, message dissimulé. Ah, lequel prendre? Bout du tuyau en acier pris sur un chauffe-eau, une satchel de sang, reçu pour l'achat d'un cochon vivant, pochette d'allumettes, et tu as lunettes, message dissimulé. Comment puis-je... Avec quoi on peut l'accuser? Parce que... Ça se trouve, je me trompe. Ah, c'est dur, j'ai pas envie de me tromper. Please, hurry! My husband might be injured! Monsieur, pour un cochon vivant, pochette d'allumettes au bas du bar... Attendez, est-ce qu'elle... Je sais pas... Elle l'a peut-être tué, effectivement, pour se venger. Il y a un message dissimulé derrière la photo, donc forcément, ils étaient séparés. Et tu as lunette... Qu'est-ce qu'elle faisait reçu? Tu es ensanglanté. Ah, j'ai peur de faire une bourde. Non, c'était faux. Find my husband, you incompetent fool. Bon, voilà. Je savais qu'elle disait la vérité. J'étais nul. Bon, c'est dommage. J'en avais 4 de correct. 4 de correct sur 6. Bon, j'ai quand même gagné de l'XP. Ah, je m'en veux. Non, sincèrement, je m'en veux là. Elle disait la vérité, mais c'est... Ah, vous voyez, ça peut vous induire en erreur, hein, très clairement. Bon, eh bien, écoutez, on va passer un coup de téléphone. Grab the phone. R and I could run down an address for Kavanaugh's in no time. So what next? Grab the phone. R and I could run down an address for Kavanaugh's. Operator, give me dispatch. Putting you through now.
Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks. Ah, je me sens vraiment con parce que c'est vrai que ça avait un petit peu, enfin, le tuer ensanglanté, ça avait pas vraiment de rapport. Enfin, c'est vrai que oh, c'est stupide. J'aurais dû mettre la vérité, ça nous aurait fait plus d'XP. Puis je suppose qu'il y a les succès et tout, mais bon, c'est pas grave, je referai le. Ah, ça m'énerve quand même. 4 corrects sur 6. L'autre, j'ai mis doute, je me suis loupé. Effectivement, j'aurais dû choisir vérité, c'était obligé. Bon. Mais écoutez, ça fait déjà quasiment une heure de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que là, en fait, sinon ça va faire beaucoup trop long. Donc, on va stopper ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour la suite de cette enquête qui, pour une des premières réelles enquêtes, on n'est pas trop guidé, a l'air d'être assez intéressante. Voilà, donc sur ce... Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous.